L'actualité à la une ce soir, le pont de Benogo, objet de convoitise depuis la nuit d'hier. Des populations ayant senti de l'or montent la garde pour l'exploitation. La police a occupé les lieux. Plusieurs y ont passé la nuit espérant déjouer la vigilance des forces de sécurité. Les images dans un instant. Le carton rouge de la coalition pour le suivi de la transition aux organisations de la société civile accusées d'être politisées plus que jamais. Elle interpelle les autorités sur certaines nominations et les fraudes sur les opérations d'enrôlement à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue au grand journal de la télévision du Burkina. Il n'y a On commence donc par l'exploitation de l'or. Drôle de scène la nuit dernière au quartier Benogo de Ouagadougou. Une rumeur qui a découvert l'or au flanc du pont a attiré du monde aux abords. Malgré la présence de la police pour les dissuader, plusieurs y ont passé la nuit. Nous y reviendrons parce que nos reporters sont en plein montage. Mais en attendant, il n'y a pas de l'or à la Brakina, mais les enjeux économiques y ressemblent. L'entreprise annonce perdre 500 millions par jour d'arrêt de travail face aux travailleurs qui demandent 80% d'augmentation. La société juge les revendications irréalistes et propose un peu plus de 12%. Les responsables ont rencontré la presse hier. Ruffin Bationo, Adama Koulibaly. Interdit d'accès à son bureau ce vendredi 27 mars par les travailleurs grévistes de la Brakina, le directeur général prend l'opinion publique à témoin par voie de presse. Des échanges y ressortent aujourd'hui de Marc Posementier que les points de la plateforme revendicative des agents ont été satisfaits en majorité. La véritable pomme de discorde reste le salaire des travailleurs qui demande une hausse de 80%. En mars 2014, nous avons signé avec l'ensemble des représentants du personnel des accords sur le relèvement salarial de 2015 à hauteur de 6,5%. Face à la crise, la direction générale a proposé 6% de plus, soit à peu près 12,5%, un petit peu plus de 12,5%. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on propose de plus ? Il faut rester rationnel. Vous reprenez l'état du traitement salarial dont nous avons fait communication via le conseil d'administration à l'époque de la première du premier mouvement en janvier. Ce sont 14 mois par an qui sont payés. 10% de primes de logement, du salaire de base, 100% des frais médicaux pour l'agent, son conjoint et 5 de ses enfants. La direction de la Brakina dit être ouverte aux négociations, mais pas à n'importe quelle condition. Pour l'heure, chaque parti campe sur sa position et plus de 500 millions de francs CFA sont perdus par jour d'inactivité, selon le directeur général. Ce arrêt de travail à la Brakina est le deuxième depuis le début de l'année 2015. Les pertes sont aussi énormes à Yako, où les producteurs de tomates en manque de moyens de conservation sont soumis aux caprices des acheteurs. Ce sont eux qui fixent les prix du marché. L'association Wellor pour le bien-être a tiré la sonnette d'alarme au cours de la foire qu'elle a organisée ce week-end. Modeste Ouedraogo. Bienvenue au 6e salon de la tomate dans la province du Passoré. Un coup de ciseau et voilà le salon de la tomate ouvert au public pour le grand bonheur des producteurs. Entre coupures de rubans et visites de stand, les invités ont pu apprécier les expositions. Ce rendez-vous de la tomate à Yako est un cadre de rencontre entre producteurs, promoteurs, partenaires techniques et financiers en vue de trouver des issues favorables à la bonne marche de la filière. C'est également une opportunité d'affaires pour les producteurs. L'association Wellore pour le bien-être, initiatrice de cette fête de la tomate, se positionne comme leader dans la promotion de la filière au Burkina Faso. Placée sous le patronage du Premier ministre Yacouba Isaac Zida, représenté par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, cette cérémonie a servi de cadre pour poser des doléances. Le 2 février, la caisse de tomates de 120 kilos coûtait 120 000. Aujourd'hui, la même caisse et au même poids coûte 10 000 et vous l'avez remarqué tout à l'heure sur le marché. Et ce qui nous a amené à interpeller l'autorité dans un premier temps, et je vais dire à exécuter la construction du comptoir. Le comptoir numéro 1
doit se situer à 5 km de la production de la tomate, donc le barrage Umaru Kanazoué. Et le comptoir 2 se situerait donc à Yako. Et nous avons aussi un autre problème. Et si vous voyez aujourd'hui, il y a un manque d'eau qui risque de compromettre même la production de la tomate parce que l'herbe appelée Tifa a envoyé le lit du barrage. La réponse de François Lompo, ministre de l'Agriculture, et du représentant du Premier ministre est sans équivoque. L'État ne pouvant pas tout faire, des initiatives du genre doivent être encouragées, d'où qu'elles viennent, et en dehors de toute considération. Et j'insiste, en dehors de toute considération. Et je pense que le comptoir et bien d'autres dispositifs viendraient améliorer donc les conditions de production, mais également les conditions d'écoulement de ces produits-là. Et donc, je vais transmettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'autres préoccupations qui n'ont pas reçu donc de réponse directement ce matin. En attendant la réalisation de ce projet, les 28 meilleurs producteurs de tomates reçoivent des prix en nature et en espèces. Ils se partagent des charrettes et un montant d'une valeur de plus de 4 500 000 francs CFA. Plus des problèmes de commercialisation, les producteurs du Passourier doivent faire avec la pauvreté des sols. Mais là, un projet vole à leur secours. Le programme d'appui au développement de l'irrigation les aide à reconstituer les terres avec de la fumure organique. Explication, Brikentika. Le secteur agropastoral constitue la principale source de croissance de l'économie du Burkina Faso. La performance de ce secteur est fortement dépendante des terres cultivables. L'explosion démographique et surtout la dégradation des sols et des ressources naturelles freinent le développement du secteur. Pour y remédier, la fertilisation des sols et des cultures en fumure organique et engrais minéral semble être une des solutions. Pour renverser la tendance, il s'agissait d'abord de convaincre les producteurs qu'en utilisant la bonne fumure organique à la dose préconisée, selon les technologies que nous avons mises en place, alors ils peuvent non seulement avoir de bons rendements, mais être sûrs qu'ils pourront produire de façon durable au cours des années à venir. Sur le bas-fond de Gomposom, dans le Passoré, les producteurs y pratiquent la maraîcherculture qui procure des revenus relativement meilleurs. Et pour faire face aux sérieux problèmes de dégradation des terres, les producteurs bénéficient d'un soutien du PADI, le programme d'appui au développement de l'irrigation, financé en partie par l'État burkinabé et la Belgique. L'appui consiste à faire une étude de sol, d'identifier avec les producteurs les solutions qui sont faisables, qui leur sont accessibles. Et à partir de là, on fait une formation technique de renforcement des capacités pour leur apprendre comment mettre en pratique ces solutions préconisées. Dans ce champ école, le choix est porté sur les spéculations de tomates, de maïs et d'oignons pour la démonstration. C'est de permettre une facilité de comparaison. Donc on part sur ce que le producteur a l'habitude de produire. Parce que c'est lui qui connaît son marché, il connaît les raisons qui l'amènent à produire telle spéculation et non pas telle autre. Et ce sont ces spéculations-là que nous avons accompagnées. L'approche gestion intégrée de la fertilité des sols et des cultures est une politique encourageante qui prend en compte l'utilisation optimale et durable des réserves en nutriments dans le sol. Ces démonstrations ont permis de mettre en œuvre un certain nombre de technologies en fumure minérale et en fumure organique. Ceci va permettre de dire que par rapport à ce type de sol, voilà la fumure qui rapportera plus aux producteurs. Aux producteurs déjà, ils ont déjà pris conscience de l'importance de la fumure organique. Il faut dire que c'est l'élément de base même de la fertilité des sols parce qu'on ne peut pas produire si un soubassement n'est pas fait. Ce paquet de technologies, comparé aux méthodes paysannes, comporte des avantages. Là où la dose de la fumure a été respectée, on a un aspect de la parcelle qui est nettement bien présenté. Au niveau des fruits, on a également la qualité des fruits, notamment au niveau de la tomate, qui est nettement améliorée par rapport à la pratique du producteur qui, je l'ai dit,
va consister à une utilisation beaucoup plus importante des engrais. Et ça, l'effet immédiat qu'on a vu, c'est qu'il y a assez de pourriture sur la parcelle de la pratique du producteur comparativement aux autres parcelles. Parmi les trois pratiques expérimentées, nous pouvons confirmer que la technologie recommandée est importante pour nos cultures. Et pour ce qui concerne l'oignon, la fumée minérale associée à la fumée organique sera rentable et va permettre de préserver nos sols. Les pratiques recommandées restent méconnues du grand public. Et le PADI, qui intervient dans six régions du Burkina, compte étendre son action. Et il s'agit aujourd'hui pour nous de les diffuser à grande échelle, pour que les producteurs puissent savoir qu'il y a cette façon de faire qui existe et qui a fait ses preuves. La gestion intégrée de la fertilité des sols et des cultures associe les engrais et les variétés améliorées avec des connaissances paysannes. Elle contribue à la gestion durable des terres, à l'adaptation au changement climatique et à la conservation de la biodiversité pour une agriculture et un élevage productif au pays des hommes intègres. Les sols du centre-est sont en revanche bien adaptés à la production du sésame. L'Union régionale des producteurs veut en profiter pour faire de cette partie du Burkina le grenier du sésame. Et pour y arriver, l'Union a organisé une journée de promotion du sésame là-bas. C'est Sylvestre Da, Drissa Seri. Des stands d'exposition qui donnent à voir différentes variétés de sésame, mais aussi divers produits issus de la transformation du sésame. Nous sommes à Wargaï, à la première édition des journées promotionnelles de la filière dans la région du Centre-Est. Je transforme le sésame en biscuit, et voilà ça devant vous. Il y a l'huile de sésame que j'ai faite. On peut faire ça en salé, les biscuits de sésame là, en salé, voilà ça. Et en sucré aussi, et ça rapporte beaucoup. Ces journées promotionnelles sont organisées par l'Union régionale des producteurs de sésame. Au-delà des expositions, elles constituent un cadre de réflexion autour des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la filière sésame. C'est la semence. Pour avoir la bonne semence, vraiment c'est une grande difficulté pour nous. Puisque si la semence ne sont pas bonnes, nous ne pouvons pas avoir la bonne qualité. Bon, en plus, bon, c'est de l'engrais. Comme notre terre est tellement aride là, si nous n'avons pas d'engrais, pour avoir de bonnes qualités, c'est impossible. À ces difficultés s'ajoute le manque d'équipement, la mauvaise organisation des acteurs, le problème de stockage. Les autorités du département de l'agriculture ont promis de transmettre les doléances des producteurs au gouvernement. Déjà au niveau donc de l'organisation de la filière, il y a des services techniques qui sont en charge de la promotion depuis donc les aspects production du produit. J'entends par là la promotion, n'est-ce pas, des semences améliorées qui sont vraiment un des axes majeurs du ministère, en passant par disons les initiatives liées à la commercialisation et à la transformation des produits. Je crois que le ministère entreprend beaucoup d'initiatives et qui vont certainement se renforcer. Les producteurs et transformateurs disent également travailler au sein de leur union à lever les goulots d'étranglement. L'ambition est de faire du Centre-Est le grenier du Burkina en matière de production de sésame. On avait démarré en tout cas avec 1000 et quelques tonnes par an. Mais avec la sensibilisation, on a bénéficier beaucoup de choses et une augmentation forte de production qui delà de 1000 et quelques tonnes à 18 000 et quelques tonnes. Une compétition organisée à l'occasion de ces journées a permis de récompenser les meilleurs producteurs, transformateurs et organisations paysannes. Et il faudra compter avec la concurrence des producteurs de l'Ouest. Là aussi, les transformateurs du sésame et des autres produits agroalimentaires sont en exposition. Les meilleurs ont été récompensés. Au total, 10 prix ont été distribués. Les explications à Bobo Dulasso de Karim Cissé. À cette 5e édition de la FIBO, la foire internationale de Bobo, c'est le groupe UGPPK du Houé qui a remporté le premier prix de la transformation avec son beurre de karité. Il reçoit un diplôme et la somme de 90 000 francs CFA. Le prix spécial revient à la SNCTEC, tandis que Ndjeneba Ndiagne s'en tire avec le prix d'encouragement.
Dans l'ensemble, 10 prix ont été décernés aux exposants qui ont émerveillé de par leur ingéniosité dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires. Je remercie l'ensemble des femmes qui ont œuvré afin que notre groupement remporte ce prix. Un prix qui va nous encourager à travailler plus dans l'innovation des produits locaux. Franchement, le beurre de karité que nous produisons est de qualité. Nous pouvons relever que la présence, on l'a dit tout à l'heure, la présence des grandes sociétés. Ensuite, nous relevons la présence de l'environnement à travers les produits forestiers non ligneux et qui sont transformés. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a salué les initiateurs de la foire pour la réussite de cette 5e édition. Hippolyte Dah les a rassurés du soutien du gouvernement pour le rayonnement de la FIBO. Une foire qui a fini par s'imposer comme une vitrine de l'agroalimentaire au pays des hommes intègres. Je crois que l'engagement a été pris, mais je le précise, la prochaine édition c'est en 2017. La transition aura fini son mandat, mais bon, nous avons comme responsabilité de tracer les sillons. On va tracer les sillons pour que le pouvoir à venir puisse autant que faire se peut accompagner le FIBO pour un meilleur rayonnement de cette manifestation au niveau de Bobo Dioulasso et du Burkina tout entier. Avec cette promesse de soutien de l'État, on peut dire que la FIBO a encore devant elle de beaux jours. Des jours qui permettront aux produits burkinabés d'être plus compétitifs sur le marché mondial. Retour sur cette scène aussi drôle. La nuit dernière au quartier Benogo de Ouagadougou, une rumeur qui a découvert de l'or au flanc du pont a attiré du monde aux abords. Malgré la présence de la police pour les dissuader, plusieurs y ont passé la nuit, comptant profiter d'un retrait des forces de sécurité pour exploiter. Bouma Ernest Nebié, Mamadi Wena. Depuis hier, ce pont situé au quartier Benogo de Ouagadougou, police regard du danger que présente leur acte pour le pont et la circulation. Malgré la présence de ces forces de l'ordre, certains exploitants véreux sont restés dans les environs. Certains, en tout cas, ont trouvé de l'or. Comme c'est une affaire d'argent, nous n'allons pas quitter les lieux. Nous allons reprendre l'exploitation dès que la moindre occasion se présente. Au moment où nous quittions, à 23 heures précises, ces chercheurs d'or rôdaient toujours dans les lieux. Au regard de leur détermination, l'on pourrait dire que la fin de ce scénario entre ces orpailleurs de circonstances et la police n'est pas pour maintenant. Autre point de l'actualité est ce soir. La coalition pour le suivi de la transition distribue les cartons. Et tous ceux qui ont été cités ont reçu le carton rouge. Siaka Koulibaly et ses camarades dénoncent les récentes nominations au Conseil constitutionnel. Ils demandent aussi des réponses sur les questions de justice exprimées par l'insurrection populaire de fin octobre. Pour eux, la situation des organisations de la société civile est pire que dans l'ancien régime. Bouma Ernest Nebié, Claudine Bikaba. L'objectif de la rencontre de la coalition pour le suivi de la transition et des élections était d'analyser la situation nationale. Un exercice qui a permis à Siaka Koulibaly et ses collaborateurs de passer à la loupe les questions brûlantes de l'heure, à savoir le comportement actuel des organisations de la société civile, les enjeux électoraux, les récentes nominations des membres du Conseil constitutionnel, les états généraux de la justice et la Commission de réconciliation nationale et des réformes. L'état de la société civile sous la transition. La situation de la société civile semble pire que sous l'ancien régime, du fait de l'activisme de certaines OSC qui, sous couvert de soutenir la transition, entrent en conflit avec les OSC qui contribuent à la transition par la critique constructive. Commission de réconciliation nationale et des réformes. La COST prend acte de l'impuissance de la Commission de réconciliation nationale et des réformes après la décision du Conseil constitutionnel du 30 janvier et appelle les autorités de la transition à initier le plus rapidement possible des solutions afin de répondre à la grande soif de justice manifestée par le peuple burkinabé. Nomination au Conseil constitutionnel. La COS soutient entièrement la position de la Société burkinabé des droits constitutionnels
des droits constitutionnels quant aux irrégularités dans la nomination des membres du Conseil constitutionnel du 25 mars 2015. État généraux de la justice. Les assises actuelles n'ont pas fait la preuve de leur nécessité parce qu'il existe déjà des travaux antérieurs qui ont produit des propositions de réformes pertinentes. L'urgence en la matière est d'appliquer les propositions concrètes comme la suppression de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de l'État en respect du principe de la séparation des pouvoirs. Waïgouya, les OSC ont procédé à la mise à l'écart de certains leaders de la société civile qui sont en même temps membres d'instances dirigeantes des partis politiques. Les OSC ont joué un rôle prépondérant dans la détection des actions de fraude électorale supposées. À la lumière de cette analyse, la coalition a fait un certain nombre de recommandations. Demandons au président du FASO d'engager des réflexions entre les acteurs de la charte de la transition en vue de proposer des solutions de réchange à la situation de la Commission de réconciliation nationale et des réformes. La révision des nominations au Conseil constitutionnel et le respect des règles de la profession de nomination à cet organe. La création par le gouvernement d'une commission nationale d'investigation sur la qualité des produits de grande consommation, avec la participation des consommateurs et de la société civile. Les participants ont aussi abordé l'affaire Thomas Sankara et celle de Bouf. Ils ont ainsi salué l'ouverture du dossier Thomas Sankara et condamné avec fermeté l'application de la loi 015 dans l'affaire Obouf. La coalition propose la relecture de cette loi afin de sanctionner sévèrement les actes similaires à ceux du PDG de cette société. Pour Edem Kodjo, envoyé spécial de l'Union africaine au Burkina, la transition fait plutôt son petit bonhomme de chemin. Il demande des moyens à la communauté internationale pour soutenir les activités. Il était chez le président du Conseil national de la transition en prélude à la rencontre du groupe international de contact sur le Burkina prévu pour se tenir ce lundi. On écoute Edem Kodjo. Et nous avons été très heureux de faire un tour d'horizon approfondi avec le président du Conseil national de transition, voir ce qui a été accompli comme travail, les lois qui ont été votées, et dans l'ensemble, se permettre ainsi de juger de l'évolution de la transition plusieurs mois après le démarrage de nos opérations. Lundi prochain va se tenir ici le groupe international de contact et nous passerons en revue également le travail qui a été fait et nous essaierons d'avoir une certaine perspective sur la façon dont les choses vont s'organiser parce que l'objectif essentiel quand même de cette transition c'est d'abord d'organiser les élections de façon que des institutions définitives soient mises en place plus tard avant la fin de cette année. Je trouve que la transition fait son petit bonhomme de chemin et je ne vois rien qui puisse l'empêcher d'aller de l'avant. Et notre rôle à nous, la communauté internationale, est de faire en sorte qu'à aucun moment il n'y ait de couac, mais que tout aille bien et aussi que les moyens internationaux soit mobilisé de façon que les élections se tiennent dans les meilleures conditions. Ce sont des propos recueillis par Ruffin Bationo. En attendant les élections dont parlait Edem Kodjo tout à l'heure, le nouveau temps pour la démocratie se présente à ses militants de Arbinda. Sur place, le parti se dit surpris par l'engouement. Vincent Dabilgou dit constater l'échec des politiques sectorielles comme l'éducation, l'agriculture et propose une démocratie participative comme alternative. Bernard Diasso. Nous sommes à l'entrée d'Arbinda sur l'axe Gibo-Arbinda. Cet accueil chaleureux, suivi de poignées de main. Puis, Vincent Dabilgou, président du Nouveau Temps pour la démocratie, NTD, et sa délégation sont conduits sur la place prévue pour son meeting. Au parloir, représentants de jeunes, de femmes et de vieux d'Arbinda ont affirmé leur soutien indéfectible au NTD, et aussi exposer les problèmes qui minent le développement de cette localité.
À son tour, le président du NTD de dire: nous, nous avons dit que notre parti, c'est le parti de l'espoir. Parce que nous sommes conscients que, si nous engageons avec vous, les jeunes d'Abinda, les femmes d'Abinda, si nous nous engageons avec vous, nous pouvons construire le Burkina Faso. Cette mobilisation est l'œuvre d'un travail sérieux, fait au préalable, selon le responsable de l'organisation. En venant ici pour le meeting, à Belédé, nous avons été surpris par l'engouement que les gens ont eu et qui ont organisé une rencontre promptement pour voir le président et échanger avec lui. C'est pour vous montrer que les masses sont avec le NTD. Et pour remporter cette victoire aux élections, il faut... Le constat de l'échec de nos politiques sectorielles. Nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de la jeunesse, nous avons parlé aussi de l'agriculture, de l'élevage. Et nous avions pris un nouvel engagement avec ces populations parce que nous pensons que c'est ensemble, à travers leurs idées, à travers leur adhésion, mais aussi à travers leur participation, que nous allons pouvoir endiguer et résoudre les problèmes de notre pays. Les gens sont prêts, dans le cadre d'une démocratie participative, à s'associer avec nous, avec nos idées, mais aussi avec notre volonté de gagner la victoire du développement. Elles se sont engagées avec nous et nous sommes fiers de cet engagement. Un engagement qui n'est pas sans raison. Chez nous, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que tout se fait, comme les gens ont l'habitude de le dire, le développement endogène, c'est-à-dire de la base au sommet. Et donc, c'est la population que vous voyez qui ont désigné, alors qui va les représenter? Le NTD compte sur les 160 000 habitants de la commune d'Arbinda pour remporter une victoire éclatante aux élections municipales et législatives prochaines. Ainsi, pour dire victoire au NTD, à Arbinda, on dit... NTD! Abloussa, le Parti pour la démocratie et le changement de Saran Sérémé propose aussi l'alternative. Au cours d'une rencontre dite de prise de contact, la présidente a décliné sa vision et appelle à vaincre les préjugés sur les femmes. Elle a dit aux militants d'aller partout le Namantenga pour propager la vision du parti. Aruna Maré, Claudine Bikaba. Ce meeting de Boulsa dans le Namantenga se veut être une prise de contact entre la direction du parti pour le développement et le changement PDC et sa base. Il offre à la présidente du parti une tribune pour décliner le projet de société du PDC aux populations. Dans son message, Sarah Séré-Sérémé a invité également la population à vaincre les préjugés sur la capacité des femmes à assumer de hautes fonctions. Nous venons donc proposer une alternative crédible à cette population, en toute responsabilité, afin que la population du Namantenga soit parmi les premières, et avec un taux exceptionnel à nous porter lors de l'élection de fin 2015 qui se présente. Dans son programme politique, le PDC dit placer la femme au cœur du développement. Un développement qu'il compte amorcer entre autres à travers une vision moderne de l'agriculture, la maîtrise de l'eau, le désenclavement, l'artisanat, la limitation des pertes de devises liées selon elle au ventre mou de l'industrialisation. Cette prise de contact permet également aux représentants des anciens, des jeunes, des femmes et des cadres du parti de réaffirmer leur engagement sans faille au PDC. Nous sommes fiers, c'est la population de Namantenga même qui a demandé plusieurs fois que Madame la Présidente vienne. Vraiment, je suis satisfait de la mobilisation. Instructions ont été données aux militants et sympathisants du parti de poursuivre la mobilisation jusqu'au dernier hameau de culture de la province. Selon Sarah Sérémé, c'est à ce prix qu'ils pourront offrir à leur parti un score honorable lors des scrutins qui se profilent à l'horizon. On a parlé cette semaine des problèmes de la justice. Arrêtons-nous ce soir sur la détention des mineurs. Face au manque d'espace, ils sont le plus souvent mélangés aux grands criminels. Une structure privée se propose d'aider à désengorger ces centres. Un clin d'œil sur le centre de l'AI pour mineurs en conflit qui travaille à l'insertion. Dossier signé de Claudine Bikaba. Souleymane Ouédraogo ne veut plus se souvenir du temps passé en prison. Marié et père d'un enfant, ce jeune est mécanicien et emploie cette personne dans son atelier. Un métier qu'il a appris en purgeant sa peine au centre de l'AI pour mineurs en conflit avec la loi. Parfois on a honte même de se rappeler du passé.
Voilà, donc tout ça vraiment, bon, quand on se rappelle vraiment, on se rend triste. Et de ce qu'ils nous ont rendu, bon, l'échange, et l'éducation, et bon, plein de choses. Chaque enfant ici a un suivi individualisé. C'est le suivi est personnalisé. Ça veut dire que dès qu'il entre ici, l'enfant est pris en charge selon son problème spécifique. Et le traitement d'un problème d'un enfant n'est pas égal au traitement d'un problème d'un autre enfant. Ce centre est en partenariat avec le ministère de la Justice dans le cadre de la réinsertion sociale des mineurs. Le mineur, selon les dispositions légales, est celui dont l'âge est compris entre 13 et moins de 18 ans. Mais il arrive parfois que celui-ci soit en infraction. L'infraction peut être moins grave. Et la personnalité du mineur est telle que l'autorité qui décide, le juge des enfants ou la commission de l'application des peines, n'a pas des éléments rassurants, des éléments qui assèrent sa conviction que l'orientation qu'il donne au dossier, la mesure de placement qu'elle est en train de prendre, sera véritablement de nature à créer un cadre de réinsertion sociale du mineur. Lors donc des débats, on essaie de comprendre si les faits sont caractérisés. Si les faits sont caractérisés, on demande donc l'avis du service social, donc celui qui a enquêté, qui va peut-être faire des propositions. Mais ça veut dire qu'on n'est pas lié par ça. Et maintenant, le procureur donc prend ses réquisitions et maintenant le juge peut décider s'il faut condamner ferme l'enfant pour qu'il reste à la MACO ou s'il faut donc, en raison donc de la situation donc qui s'est présentée, l'envoyer donc dans un centre de placement pour sa réinsertion. De l'infraction au placement dans un centre comme l'AI, en passant par le jugement, le service social de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou est beaucoup impliqué. À partir de la porte, si nous sommes là, nous interpellons la sécurité pour qu'à partir de la porte, on les sépare déjà. Donc, il y en a, quand c'est des mineurs, c'est avéré, on les envoie directement au quartier des mineurs. Et le lendemain, nous les prenons pour les écoutes. À travers les écoutes, à travers les entretiens, on arrive à percevoir un tout petit peu le problème. À travers nos entretiens, nous fournissons les informations à nos collègues qui sont au niveau du palais de justice. Et parfois même, on part voir les juges des enfants. On dit tel enfant, voilà son problème. Et il est souhaitable qu'on le place soit à l'AI, soit à Gampela à côté, ou à la Meyado. Le centre de l'AI prend en charge ces mineurs en tenant compte de beaucoup d'aspects pouvant favoriser leur réinsertion sociale. Au niveau social, il y a des formes d'injustice qui font que les enfants sont un peu perdus. Ces enfants arrivent au centre et sont profondément blessés. Donc il y a d'abord un travail que l'on fait qui est d'écouter ces enfants, d'essayer de les réhabiliter en ce qu'ils ont été légers. L'enfant est appelé à quitter le centre, donc nous travaillons avec lui et avec les parents à le ramener pour son retour en famille. Ces mineurs arrivent souvent au centre, très désorientés, mais dès qu'ils s'intègrent, beaucoup perçoivent la chance qu'ils ont d'être dans un tel centre. Je suis contente de ce que je reçois ici, parce que quand je suis venue ici, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris à faire la couture. Donc, bon, si je sors dehors, je peux faire la couture, je peux coudre mes habits, moi seul. Quand je suis venue ici, bon, j'ai appris à écrire un PMP, quoi. Les métiers, il y a électricité, bon, menuiserie, avec couture, avec batik aussi, savon. Bon, moi en tout cas, c'est le batik que j'ai fait, avec menuiserie. Bon, ça se passe mieux. Pour faciliter leur réinsertion sociale, chacun sort de ce lieu de pénitence avec un projet personnel individualisé à l'appui et accompagnement du centre. Tel a été le cas de Souleymane Ouedraogo qui, en plus de son atelier de mécanique, mène des activités connexes, notamment la vente de l'essence et d'eau fraîche dans sa localité. Il s'agit de Boussé, située à 15 km du centre.
C'est grâce au centre vraiment que j'ai, bon, je suis comme ça aujourd'hui. C'est grâce à eux. Ce centre est une initiative de l'association pénitentiaire africaine APA avec ses partenaires. Il existe depuis 2004 et a accueilli à ce jour 365 mineurs, dont une trentaine de filles. Autre structure qui travaille à l'insertion des jeunes, la Chambre des métiers outils, la jeunesse sur la pratique de ses propres activités. C'est un échange d'expériences qui vise une bonne insertion professionnelle à Bobo-Dioulasso du Lasso. Christine Koulibaly. Titre de capacité et kit en main, Mariam Nadie Koulibaly est désormais plus apte à se faire une place au soleil dans le domaine de la confection de tableaux-bancs. Et tout comme elle, ses 199 autres jeunes, dont 100 ont été formés dans la fabrication de matériel agricole. Vraiment, je suis très content d'avoir reçu cette formation et je pense que non, bon, ça va me permettre d'avancer dans mon métier. Je prendrais ça comme genre perfectionnement, puisqu'on confectionnait aussi des tables bancs, mais ce n'était pas ce genre de modèle-là. Mais après cette formation, vraiment, on a eu beaucoup d'idées pour la confection de ce modèle. Cette formation est une résultante de la vision holistique du gouvernement burkinabé de trouver une solution au chômage des jeunes à travers le PSE, le programme spécial de création d'emplois, notamment sa composante 5, exécutée par la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Celle-ci a voulu être stratégique dans le choix des domaines de formation. Vous le savez, la Chambre des métiers est engagée depuis 2011 dans des marchés de l'État, notamment les charrues et les tablements. Donc pour pouvoir renforcer la capacité des jeunes, créer de nouveaux emplois et permettre à des jeunes de pouvoir bénéficier de cette expérience, la Chambre des métiers justement a joué le rôle de pouvoir leur apporter ce plus-là. Il ne s'agit pas de former les jeunes et puis les laisser à eux-mêmes. Il y aura forcément un suivi, un accompagnement, même qu'à travers les marchés qui sont lancés par l'État, je crois qu'on va s'arranger pour que, à travers les artisans qui sont installés au niveau des différentes régions, pour qu'ils puissent bénéficier de ces marchés-là. Ce qui est pour eux, jouit les bénéficiaires, désormais jeunes entrepreneurs dans leurs localités respectives. Ces entrepreneurs en devenir dans le domaine de la coupe et pose de briques de la terrique taillée industriellement et leurs formateurs eux, reçoivent la visite du ministre Hippolyte Da venu encourager les deux parties. L'insertion de la jeunesse de l'Oropéni dans la société passe par la révalorisation culturelle. L'Oropéni Gioro Festival vise cet objectif, revisiter la culture du pays Lobi. Les festivaliers sont venus de divers horizons. Draman Dianda. Un carnaval pour donner le ton à la deuxième édition de l'Oropéni Gioro Festival. Placé sous le thème jeunesse et valorisation de notre identité culturelle, c'est une occasion tout rêvée pour revisiter l'art et la culture du pays Lobi dans ses différentes facettes. C'est la traduction de l'expression des cultures du pays Lobi. Donc pour cette deuxième édition, nous avons une vingtaine de troupes et d'artistes venus du Burkina, venus du Ghana, venus de Cuba, venus de la Belgique, de la Suisse aussi, qui sont là, qui vont presser. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer l'association pour sa vision en faveur de la culture à travers ce festival qui, j'en suis sûr, fera drainer du monde vers l'Oropéni. Du monde, il en a eu à l'Oropéni durant les 48 heures de ce festival de renommée internationale. Les festivaliers sont venus de divers horizons pour la promotion de la culture. Et j'apprécie énormément car on apprend beaucoup de choses et c'est magnifique à voir quoi. Toutes ces tribus qui s'expriment avec la musique, qui ont un talent phénoménal. Donc je trouve super beau à voir. I really appreciate. J'ai été invité pour prester sur scène et j'apprécie vraiment cela, nous dit également cet artiste venu du Ghana. Une ouverture de l'Oropéni Gioro Festival qui, pour le parrain, est à pérenniser. Je pense qu'il y a une plus-value à ce genre d'activité. Non seulement elle devrait se pérenniser, mais je pense qu'elle devrait plutôt s'étendre hein, pour que la jeunesse se replonge dans son passé, dans sa culture, ce qui est le socle de ce qu'elle peut devenir.
Et c'est ce à quoi s'attelle l'association culture du pays Lobi portée sur les fonts baptismaux en juillet 2013. La jeunesse est la frange de la population que vise aussi le festival La Ruche. Il se veut une rencontre d'échange culturel entre jeunes scolarisés et dure jusqu'au 5 avril. Ousmane Drabo, Claude Nibikaba. Festival La Ruche, randonnée biennale de création artistique d'enfants, tient cette année encore sa promesse. Une cérémonie d'ouverture qui aura été sobre en couleurs, mais pleine d'enseignements. Depuis 2005, j'ai développé un projet qui s'appelle Classe d'art. Il s'agit d'envoyer un artiste dans une école. Il travaille avec un groupe d'enfants sur plusieurs mois. Et puis à la fin, il y a une espèce de restitution que j'appelais le festival Classe d'art. Mais l'important, ce n'était pas la production des enfants. C'était le processus qui amenait à la production des enfants. Des expositions, de la danse et autres temps forts ont ponctué le top de départ de l'édition 2015 de ce festival théâtral. Édition, La Ruche bénéficie du soutien de plusieurs acteurs. Parle en Afrique du théâtre éclair, c'est un théâtre précurseur qui offre la possibilité aux artistes adultes de rencontrer le public enfant, avec une démarche complètement particulière, avec des spectacles qui sont plus adaptés, plus en direction des enfants. C'est reconnaître l'existence de l'enfant en tant que citoyen à part entière. Un rappel, le festival La Ruche est une fête de théâtre pour les jeunes scolaires. Cette année, il est ouvert à d'autres disciplines artistiques et se déroule du 28 mars au 4 mars 2015. Un tour à présent à la guinguette de Bobo Dioulasso. Ce lieu de baignade est devenu le lieu idéal de villégiature dans la capitale économique du Burkina. Ils sont nombreux à se donner rendez-vous pour profiter de l'air pur de la forêt. Mais attention, depuis quelque temps, on y voit des scènes de rallye, des scènes acrobatiques qui provoquent beaucoup d'accidents. Amadou Lougué. Vitesse excessive, acrobatie de toutes sortes, c'est comme cela chaque jour ou presque sur la route de Nassau, localité située à 15 km de Bobo Dioulasso. Le lieu de convergence, c'est là. La baignade au milieu de ce paysage attire la plupart de ces jeunes bobolais. Ce soir, on est venu ici pour se divertir, voilà, essayer de venir changer d'air, tout ça. On est venu ici pour faire profiter un peu de la nature, voilà, et puis c'est bien un peu. Chaque jour, du matin au soir, élèves, étudiants et travailleurs défilent ici pour respirer l'air pur de cette réserve naturelle et oublier les angoisses de la ville. Quand je viens ici, je me sens bien. Quand je fais le tour là, je ne sais pas pourquoi les gens partent ailleurs là. Il y a tout ici. Quand tu rentres dans les forêts là, il y a l'eau, il y a les arbres, il y a tout. Il fait beau temps. C'est terrible, je ne sais pas quoi dire là, mais c'est incroyable là, ici. Là. Ce site de détente et de récréation est aujourd'hui une véritable entreprise, disposant de deux portes d'accès. Une seule d'entre elles peut enregistrer par jour des milliers d'entrées. Des recettes importantes qui profitent surtout aux villages riverains. Les jours d'affluent, par exemple, les jours du 8 mars, on a vendu plus de 700 000. Donc, les jours ordinaires comme les dimanches, donc on peut aller jusqu'à 300, 200, ça dépend des affluences maintenant. Il n'y a pas de mal à parcourir de longues distances en quête de plaisir et de distraction. Mais beaucoup prennent trop de risques sur le chemin qui mène à ces lieux. Nous-mêmes, nous avons assisté à des accidents qui sont vraiment déplorables. Alors nous pouvons dire que la vitesse, à tout point de vue, elle est mauvaise. Hein, et ça peut conduire à bien des tristes choses. Alors je conseillerais à mes jeunes frères, voilà, s'ils viennent ici, c'est pour s'amuser, alors qu'ils fassent rouler doucement, parce que hormis cela, il y a de la famille qui nous attend à la maison, et à nos études, et nos parents comptent sur nous. Selon les statistiques du commissariat central de police de Bobo Dioulasso, en 3 mois, c'est-à-dire de janvier à mars 2015, 36 cas d'accidents ont été enregistrés sur la route de Nassau, d'où cette importante patrouille pour amener les éventuels contrevenants à la raison. De par le passé, on sortait avec deux équipes, une équipe, et généralement ça se terminait par un jeu de cache-cache entre les jeunes.
et les policiers. Il arrivait des fois même que les policiers soient lapidés par ces jeunes-là, du fait qu'ils n'étaient pas en nombre. On a préféré aujourd'hui un grand nombre, environ 120 policiers, pour pouvoir couvrir tout le tranchant. Non seulement réprimer, mais aussi marquer l'opinion publique pour que l'opinion puisse faire le relais et interpeller aussi les parents afin qu'ils puissent sensibiliser leurs enfants. Des risques sur la route, mais aussi dans l'eau. Ces instants de bonheur se transforment parfois en cauchemar. Rien que l'année dernière, un jeune élève aurait trouvé la mort ici en voulant faire des plongées comme celle-là dans les eaux de la Guinguette. Du sport, les étalons version Gernot Rohr affrontent l'équipe Aprum. Je dis bien l'équipe Aprum du Maroc demain en amical. Comment se prépare cette rencontre? Les réponses avec nos envoyés spéciaux à Rabat, Amadou Ilboudo, Richard Yamego. 2 mois après la débâcle du Dakar, les étalons retrouvent la sélection avec un nouveau sélectionneur. Le regroupement de Casablanca se veut un nouveau départ pour de nouvelles aventures sportives pour le Burkina. Les joueurs de l'expédition équato-guinéenne sont là, à l'exception de Alain Traoré qui souffrirait des yeux. Le nouveau sélectionneur souhaite que la collaboration avec les joueurs se déroule dans un cadre sain, empreint de discipline et de travail. Il faut travailler, il faut de la rigueur, il faut de la discipline, il faut être collectif, il faut se mettre au service du groupe. Il y a quelque chose à effacer, c'était les mauvais résultats à la CAN. La porte est ouverte pour s'expliquer, pour me dire ce qui s'est passé. Nous avons beaucoup échangé avec eux et on a fait connaissance et ça s'est plutôt bien passé. Côté étalon, on veut repartir sur de nouvelles bases. Ici à Casa, on joue le match du rachat. Les joueurs se disent prêts pour de nouvelles sensations avec leur public. On a une reconstruction parce qu'après la CAN, il y a eu une déception au niveau du pays en tant que joueur, en tant que supporter et en tant que dirigeant pour nous tous. Maintenant, on a une ossature, on a une bonne équipe et il suffit d'un peu de travail et d'un peu de discipline pour pouvoir avoir les bons résultats. Maintenant, on travaille pour ça. En tout cas, tout se passe très bien avec le nouveau coach. C'est un coach qui essaie d'expliquer à chaque fois. Bon, on arrive à se comprendre, on discute bien avec les joueurs. Tout se passe pour le moment, en tout cas, tout se passe très bien. Demain lundi, sous le coup de 19h30, les Lions de l'Atlas seront en quête, eux aussi, de rachat après le rendez-vous manqué de la CAN 2015 qui s'est finalement joué en Guinée équatoriale. Voilà l'actualité sportive du week-end. C'est avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir Simon. Alors, précisez-nous de quoi il s'agit exactement. On a parlé de l'équipe Aprum du Maroc. Est-ce que demain, on joue contre l'équipe Aprum ou l'équipe A du Maroc, les Lions de l'Atlas? Merci Simon. Demain, on joue contre l'équipe Aprim du Maroc. Mais bien avant, bien sûr, de parler de ce rendez-vous de demain, il faut dire qu'il nous avait été annoncé un rendez-vous le vendredi 26 mars dernier contre l'Égypte. Il se trouve que les pharaons sont du côté de la Turquie et auraient demandé au Burkina de se déplacer du côté de la Turquie s'il veut disputer, bien sûr, ce match contre eux. Alors, il y a problème à quelque part. Jusqu'aux dernières nouvelles, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi on attend la dernière minute pour nous dire de se déplacer, de nous déplacer, bien sûr, du côté de la Turquie. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce match amical international contre l'Égypte avait été annoncé par la Fédération burkinabé de football. Et donc, je me dis, quand on négocie un rendez-vous amical international aussi important qu'un match journée FIFA, eh bien, on cale et l'heure, et la date, et le lieu. Et donc, ça, c'est d'abord le premier, j'allais dire, faux départ. Hein. Ensuite, ce match de demain contre l'équipe A' du Maroc. Moi, je dis, le Maroc a une équipe A. Et l'équipe A du Maroc a joué hier contre l'Uruguay. Oui. Et cette même équipe a perdu 1-0 contre l'Uruguay à domicile à Rabat. Et donc, si nous avons décidé de jouer contre l'équipe A' du Maroc, c'est que peut-être on a des ambitions qui ne volent pas au-dessus de l'équipe de celle de l'équipe A' du Maroc. Parce que le Maroc a une équipe A. C'est-à-dire, soit ça nous arrange et on fait avec, ou bien ça ne nous arrange pas et on trouve un autre pays pour une journée internationale, bien sûr, un match amical. On nous avait aussi annoncé, Yacouba Ouedraogo, la présence d'un attaquant qu'on a recruté. Il s'agit d'Anthony Koura qui n'est pas à ce rassemblement. Alors, il y a effectivement des absences sur la liste de Guernot Rohr et Alain Traoré. Richard l'a dit tout à l'heure, c'est pour des mots d'yeux. Officiellement, bien sûr, c'est la raison qu'on a avancé. Anthony Koura, le gros poisson, bien sûr, qu'aurait pêché Guernot Rohr pour nous envoyer
ici au Burkina. On se rappelle encore de cette conférence de presse où on présentait officiellement ce coach-là au peuple burkinabé et on a dit, bien sûr, en fait, à côté de Guenotro, il y avait l'agent du joueur de Anthony Kouba, dit-on. Et donc, ce monsieur-là nous a confirmé que le joueur sera présent à Ouagadougou et ensuite, bien sûr, en fait, présent du côté du Maroc pour le regroupement pour cette journée, bien sûr, FIFA contre les Lions de l'Atlas. Aux dernières nouvelles, Anthony Kouba, bien sûr, ne sera pas du rendez-vous du Maroc. Et il se dit que c'est parce que son club Nîmes en D2 française est en difficulté. Que Anthony Kouba soit au Maroc ou pas, ça n'aura aucune influence, bien sûr, sur la décision de la justice française de reléguer Nîmes en division inférieure l'année prochaine. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Nîmes a un rendez-vous important le 3 avril prochain, en D2 français, bien sûr, contre Auxerre. Nîmes a 44 points actuellement en championnat et Nîmes est 7e à 5 points du podium. Et donc, Anthony Kouba est deuxième meilleur buteur de son club avec cette réalisation. Moi, je me dis que c'est peut-être la raison pour laquelle, bien sûr, le joueur ne fera pas le déplacement de Maroc parce qu'il a un match important avec son club le 3 avril. Soit. Mais ce que nous disons, c'est qu'Anthony Kouba, jusque-là, n'a pas encore foulé et un rectangle vers le terrain, bien sûr, un terrain de football avec le maillot du Burkina. Et donc, jusque-là, il reste français. Et donc, aucune pression possible sur le joueur ou encore sur son club pour qu'on puisse le libérer. Alors, demain, la rencontre. Ce sera à Rabat, à quelle heure ? À 19h30, Richard l'a dit tout à l'heure. D'accord. Avant cela, on a eu aussi une rencontre. Apparemment, le Burkina et le Maroc sont vraiment ensemble, on va le dire. Il y avait eu une rencontre vendredi ici entre les étalons olympiques et les lionceaux de l'Atlas olympique. Parlez-nous de cette rencontre. Alors, tout à fait. On sait que les étalons olympiques ont perdu 1-0 au stade du 4 août, vendredi ici, contre les lionceaux de l'Atlas. Vous savez, quand on fixe des rendez-vous internationaux comme ça pour des matchs amicaux, il y a des objectifs qu'on se fixe. On sait que le Maroc ne sera pas à la CAN 2017 parce que le Maroc a été suspendu. Voilà. Et on sait aussi que le Maroc prépare les Jeux Olympiques, bien sûr, Brésil 2016, alors que les nôtres, nous, on prépare les Jeux Africains, Brazzaville 2015. On a gagné ici un match aller contre la Côte d'Ivoire 2-1 et c'était une équipe un peu mixte. Pour le match amical du vendredi contre les Lionceaux de l'Atlas, et le sélectionneur des talents espoirs, Issa Balboné, a aligné bien sûr une équipe à tendance professionnelle. Et donc c'est nos espoirs pro qui étaient là, qui ont été alignés sur le terrain, en tout cas dans la plupart des compartiments, en dehors de quelques locaux qui ont pris part à ce match-là. Mais pour ce match qu'on a vu, ce serait un euphémisme que de dire que nos espoirs-là n'ont pas eu d'occasion en première période. Parce qu'ils n'ont même pas existé dans cette première partie de la rencontre. C'est en deuxième mi-temps qu'ils ont essayé de revenir, mais contre le coup du jeu, bien sûr, ils ont encaissé un but sur un coup franc rapidement exécuté par les Olympiques, bien sûr, du Maroc. Et donc, on a beaucoup crié que notre équipe A est en train de vieillir, il faut renouveler, il y a des joueurs qui ne donnent plus. On compte, bien sûr, dans une sélection sur les espoirs pour remplacer cette équipe A-là, mais pour le moment, ces espoirs qu'on a vus au stade du 4 août ne donnent pas du tout satisfaction. Et s'il veut l'intégrer l'équipe A et faire, bien sûr, prendre, je ne sais pas, la place à Charles Kabore ou encore à Djakari Diakono ou encore à Bakary Koné du côté de la défense, il faut encore travailler et retravailler parce que jusque-là, on n'a pas vu grand-chose. Et pourquoi pas voir du côté du championnat national, et on va en parler justement, parce que c'est le creuset du football burkinabé. Tout à fait, le championnat national de première division, le Faso Foot, qui a sa 22e journée. Il y a eu de bonnes choses pour certains clubs. On sait par exemple que le RCB a battu, bien sûr, le Canon du Sud 1-0, une victoire assez importante pour lui, disons, parce que le RCB qui désormais la deuxième place et la quatrième place, pardon, pour la deuxième place avec 40 points plus 13. Le RCB qui passe devant l'EFO qui a été approché. Ah oui, la Reine des Stades qui a été tenue en échec ce soir par COSAF, 2 buts partout au stade du 4 août. Et donc, les à la 3,38 plus l'EFO qui a un match en retard contre le leader. On a également une bonne opération pour le BPS de Kourou qui était en déplacement du côté de Bobo-Dioulasso. Le BPS qui a gagné 1-0 et le BPS qui a désormais 26 points et qui s'éloigne de plus en plus de la zone de relégation. Le président, bien sûr, du BPS l'avait dit, Salam Bayili. Le BPS sera en première division l'année prochaine et je pense que l'opération est bien lancée. Une bonne opération également pour l'USO de Eric Traoré. Voilà un nom assez intéressant ces derniers temps au stade. Eric Traoré, l'attaquant de l'USO, avec 7 réalisations en tout durant cette saison, en fait, jusque-là. Et Eric Traoré qui a marqué 4 buts dans les 3 derniers matchs. Dans ces 3 derniers matchs, un doublé contre les Faux, un but, bien sûr, contre la Sonabel et un autre, bien sûr, contre le Canon. Hier, une victoire, bien sûr, qui permet à l'USO d'engranger, bien sûr, des points, même si sa position au niveau du classement reste statique.
Une bonne opération également pour l'ASFA Yenega qui vient de battre le leader USFA ce soir, 2-0 au stade du 4 août. L'ASFA Yenega qui est à la traîne dans ce championnat depuis l'année passée, qui recherche ce match. Et nous espérons évidemment que cette victoire contre le leader va permettre à cette équipe-là, l'ASFA Yenega, d'avancer. Voilà, de remonter un peu peut-être au classement. Alors dans les autres rencontres, Banque Sport a fait 0-0 contre la Sonabel. Banque Sport qui peine véritablement, 1-0-0 après 3 défaites de suite. Banque Sport qui n'a enregistré qu'un seul point sur 12 possibles à prendre. Voilà, un seul point bien sûr en 4 matchs. L'USCO a fait 0-0 contre le Maïsik. RCK Santos 0-0. USFA, ASFA bien sûr, l'ASFA a gagné 2-0 ce soir. Et donc l'USFA reste leader avec 41 points plus 21. Le RC est deuxième, 40 plus 13. L'EFO est troisième, 38 plus 16. Au fond du tableau, on retrouve Banque Sport de Didougou et le Canon du Sud, les deux promis qui ont véritablement du mal à exister dans cette première division burkinabé. Merci Yacouba Aouedraogo. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Vous avez rendez-vous tout à l'heure avec Frédéric Etienne Bassenga pour l'édition en synthèse. Bonne reprise de travail demain.